Ceci est un tutoriel pour vous montrer un peu comment transférer les pages de vos wikis dans Blackboard à votre site que vous allez créer dans le cours. Donc, pour ça, je vous recommande fortement de créer un compte avec Google d'abord. Et donc, vous pouvez créer votre compte en allant ici et vous appuyez sur Create an Account. Et essayez de nommer votre compte de la même manière que vous nommerez votre site web. Ensuite, vous allez aller à JBBO .co.uk et c'est en fait ici que vous allez pouvoir créer votre site qui aura simplement le nom du site plus .co.uk. Donc pensez à un nom pour votre site. Ça peut être votre nom plus votre nom de famille ou un thème que vous choisissez, par exemple les langues ou quelque chose d'autre. Une fois que vous l'aurez créé, vous aurez un site comme ça. Ça, c'est un site que j'ai créé en guise d'exemple pour les films que je trouve sur Internet. Et vous allez à Sign-in, et là, vous allez mettre votre nom et votre mot de passe. Une fois que vous êtes dans votre site, vous allez commencer à créer des pages. Donc pour vous appuyez sur Créer une page, et vous pouvez utiliser une page classique et vous donner un nom. Alors dans ce cas, je vais mettre l'agriculture en France. Et vous la mettez au premier niveau. Vous pouvez la placer dans une autre section et pour maintenant, je vais la placer au premier niveau. Ensuite, vous allez cliquer sur HTML pour pouvoir rentrer le code. Et c'est là, à ce moment, que vous allez à Blackboard et que vous allez à votre wiki. Là, j'utilise un exemple d'une étudiante et vous appuyez sur Edit. Une fois que vous êtes dans le wiki, vous appuyez encore sur HTML. Ceci vous donnera le code. Donc vous appuyez CTRL A pour tout sélectionner et encore CTRL V ou copie pour le copier. Ensuite, vous allez à votre site et vous insérez le document dans la page HTML du site. Donc avec CTRL V ou paste, insérer. Et vous mettez à jour. Et là, ils disent qu'ils contiennent des balises, ils ne sont pas sûrs. Ça va, vous appuyez sur OK. Et maintenant, vous voyez que la même chose que vous aviez dans votre wiki est maintenant sur le web. Et je vais simplement enlever quelques espaces ici. Après que vous avez fait ça, vous enregistrez pour que la page s'affiche sur le web. Et maintenant, vous avez votre page. Donc, par exemple, si je vais à une autre page, juste pour vous montrer, et on va retrouver l'agriculture en France. Maintenant, votre page sera affichée avec les vidéos, etc. Donc, faites ça pour les deux activités que vous avez déjà complétées.